Hallo, ich bin Ruth Kate. Herzlich willkommen zum Bonjour, je suis Ruth Kate. Bienvenue au bilan de l'année 2016 du CCC. Das wahrscheinlich gäbe es eine Pantone-Farbe des Jahres, ihr Name Clusterfuck wäre und nicht Zartrosa. Abgesehen davon hat aber Max Rosa, der Datenwissenschaftler, gesagt, eigentlich ist es gefühlt seit 21 Jahren bergauf gegangen. Und man könnte vielleicht sagen, dass man es mehr spürt. Es ist eine Zunahme an Empathie, das, was nie schlecht ist, außer vielleicht bei besorgten Bürgern. Was sonst noch los war in diesem Jahr, das erzählen uns jetzt Frank. Ce qui s'est passé pendant cette année, on va vous raconter maintenant. Bienvenue à Linus et Nexus sur la scène. Stühle sind überbewertet. Les chaises, c'est surfait. Jetzt ist es an. Maintenant, c'est allumé. Wir begrüßen euch sehr herzlich. On vous souhaite la bienvenue à ce bilan de l'année. On a encore une fois essayé de montrer l'année qui vient de se passer à travers les yeux du CCC. Donc on va parler des activités, mais aussi des thèmes qui nous ont occupés dans le travail public. On va parler aussi des activités non centrales. Et on voudrait s'excuser de ne pas pouvoir traiter tous les thèmes pendant ce laps de temps. Et on va se concentrer sur les plus importants. Et on va essayer de séparer un peu des débats les plus difficiles. Einen gewissen Schwerpunkt haben in der bundesweiten Arbeit des CCC. Et donc on va avoir des points importants dans l'action à l'échelle du pays du CCC. Donc il y a un certain nombre de problèmes les projets d'envergure plus locale sont trop nombreux pour qu'on puisse tous les détailler. Donc on a une petite nouveauté cette année. Donc on a réduit un peu la page statistique qui était assez longue les années précédentes, qui contiennent surtout des chiffres, le travail de la presse, tout ça on a un peu raccourci. Donc on aimerait bien publier plein de chiffres, mais ici, c'est pas vraiment le moment. Donc on va commencer avec des bons chiffres, le nombre d'adhérents. Donc cette année, donc on voudrait remercier le bureau. Donc, on a vraiment eu une capacité d'action d'autant plus grande. Et maintenant, on peut dire we are over 9,000. On est plus de 9,000. Et pour que vous puissiez vous reprendre les chiffres, donc les rouges, enfin le rouge-orange, le gros bloc, ça c'est les aliens, on est dans une communauté galactique, ce sont les gens qui n'appartiennent pas à une association bien définie, mais qui appartiennent à l'association globale. Les bleus, c'est ceux qui appartiennent à une association locale. Donc les EAFA sont les associations locales. Les EAFA, c'est vraiment juste des communautés locales pour que des gens puissent se rencontrer et travailler ensemble. Et pour créer des groupes locaux du CCC. Et donc ensuite, ces associations peuvent être subventionnées par l'association mère CCC. Et
Et donc c'est intéressant aussi pour relier un peu les gens à l'association globale. Si vous savez pas s'il y a une RFA dans votre ville, ben renseignez-vous, il y en a peut-être une. Donc on n'a pas forcément de lieu défini partout. On va peut-être parler de ce rouge foncé ici. Donc ça, ce sont des gens qui sont sortis de force. Donc ce sont des gens qui ont été relancés pour les cotisations et qui n'ont pas répondu. Ganz schlimmer Inkasso-Brigaden. Donc traditionnellement, on a aussi la carte donc, qui nous a été envoyée par le bureau avec la remarque qu'on a toujours ces taches blanches. Donc plus le vert est foncé, plus il y a de membres dans la région. Et donc les blancs, c'est là où on n'a pas les informations. Et à côté, on voit la répartition des membres par rapport à l'évolution des membres par trimestre. Ah oui, c'est pas trimestre. Okay, on ne sait pas pourquoi il y a une tellement grosse colonne là au milieu. Donc on voit très bien le pic juste après le moment où les papiers de Snowden ont été dévoilés. On peut aussi l'interpréter différemment, mais c'est probablement la raison la plus plausible. On voit aussi la tendance qu'on voit depuis quelques temps, qu'on s'élargit en dehors de l'Allemagne. Donc voilà la répartition par pays, donc hors Allemagne. Donc il y a surtout des membres en Suisse et en Autriche, mais aussi une dizaine d'autres pays. Et le problème par contre avec ça, c'est que c'est difficile de récupérer ces données de manière précise, parce que je suis pas sûr que les hackers font toutes leurs modifications d'adresse en temps et en heure. Orbit, ISS. Alors, ça serait drôle qu'on ait un jour une nouvelle adresse en orbite sur la Station Spatiale Internationale. Donc, on voudrait pas s'attarder sur ces statistiques, parce qu'on s'est rendu compte les années passées qu'on avait plus assez de temps pour le vrai contenu après. Donc, on va raccourcir un peu. Donc, notamment, on n'a pas mentionné les choses qui étaient en cours depuis quelques années et qui n'ont pas vraiment évolué beaucoup en 2016. Notamment pour ce qui est de certains thèmes débats politiques. Mais on va commencer. Donc, on a déjà parlé de mes passés. Chaos Computer Club Frankfurt Main gebaut haben, um dort die Inhalte von Media.ccc.de membres du CCC Frankfurt construit auf dem Apple TV zu ermöglichen oder bereitzustellen. Quelque chose pour l'Apple TV qui a été critiqué par Apple nicht auf ihrer Plattform haben. Da gab es eine längere Diskussion. Das sind übrigens die Talks, also könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Vous pouvez regarder encore les anciens Talks sur le sujet, qui sont mentionnés sur la slide. Il y a plusieurs Talks que si on essaie de les regarder en ligne, vous risquez de tomber sur un avertissement comme quoi le talk a été censuré par Apple. Also es gab einige, die gesagt haben, wir lassen uns doch nicht von Apple
Il y a eu plus des avis divergents sur la question. Il y a des gens qui ont dit qu'on ne va pas se laisser dicter ce qu'on a le droit de faire par Apple. Et puis d'autres qui disent que si on n'a déjà pas le droit de mettre les choses sur l'Apple TV, qu'au moins on présente sur place qu'est-ce qu'on a fait à l'époque et qu'on remet l'attention sur les anciens talks et on redonne en fait aux gens de l'intérêt pour ces anciens talks. Effectivement, donc si on est critique envers Apple ou pas, l'Apple TV a été utilisée dans beaucoup de langues. Indépendamment des critiques, l'application pour Apple TV était utile pour amener de l'information à beaucoup de gens dans différentes langues. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Linus hat das so am Rande erwähnt, dass die Talks schon etwas älter sind. Dieser Bluetooth-Hacking State of the Art. Linus a attiré l'attention sur le fait que ces talks alleine diesen Talk zu zensieren, ich meine, ont changé. Das ist eine sehr späte Ehre, die dem Vortragenden dazu teil geworden ist. Da ging es übrigens, also wenn sich jemand für die, also der CCC Frankfurt hat es auch dokumentiert und aufgeschrieben. Donc le CCC Frankfurt avait documenté et écrit différentes choses. Begründet. Und uns ist natürlich aufgefallen, dass in den Titeln sehr viel Hacking vorkommt. Okay, aber das ist jetzt nichts, wo wir uns lange dran aufhalten wollen, nicht wahr? Donc, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, une autre chose très importante, c'était les élections. Le CCC de Mainz a constaté que pendant les élections, on pouvait commander un formulaire en ligne. Et pour commander ce formulaire, il y avait besoin du nom, prénom et anniversaire. Et rien d'autre. Donc, on a reçu, on recevait en échange un document PDF dans lequel il y aurait l'adresse qu'on n'avait pas mentionné précédemment. Donc, ils ont fait une grosse recherche et sur un site de nom Wikipédia, ils ont trouvé le nom et l'anniversaire du maire de la ville. Und sich die Mühe gespart, einmal kurz das grobe Jahrzehnt, in dem der junge Mann geboren ist, zu brutforcen und hatten dann eben seine. Et ont brutforcé encore l'année d'anniversaire exact, ce qui leur a permis de retrouver l'adresse du maire. Christian Schuster vom CCC Mainz hat da hauptsächlich die Interviews gegeben. Ich glaube, aus dem Artikel ging hervor, dass er noch. Qui leur a donné beaucoup d'attention médiatique après. Aber da sieht man sowieso auch so einfach. Donc on voit que des petites bêtises qu'un hackerspace peut faire en l'après-midi pour s'amuser peut avoir une certaine répercussion et apporter pas mal d'attention médiatique, même quand on arrive à trouver par exemple de manière si facile les adresses de tous les citoyens d'une ville. Le CCC Mainz s'est renommé en CCC Moonsui parce qu'ils ont intégré un autre land apparemment. Il n'y a pas de prescription sur comment doivent s'appeler les cercles d'association CCC. Oh bon, on va vous parler de quelques projets à long terme que le CCC est en train de suivre. On en a un qui doit se produire en janvier. Pendant la phase d'hibernation ou la phase post-congrès, mais j'aimerais bien quand même en parler. On va avoir à Hambourg une loi sur la transparence et on est très fiers de ça. On a beaucoup de projets qui ont tourné ces derniers temps, comme le projet avec la Chambre de commerce. Donc, cette loi dit que les gouvernements des Länders et les chambres de commerce du Land sont forcés à respecter cette loi sur la transparence. Donc, comme ils sont pas d'accord, ils ont lancé une procédure judiciaire et le tribunal a défendu contre la chambre de commerce
Mais c'est, pour l'instant, c'est le tribunal qui est encore en train de gagner du temps. Les gens de Hambourg sont très actifs du OCCC et restent actifs sur le sujet. Vielleicht können wir dann langsam diese weißen Flecken da unten rechts, was die Mitgliederzahlen angeht in Thüringen, non, peut-être qu'on pourra ein bisschen reduzieren. Réduire les points blancs sur la carte. En Rheinland-Pfalz, en Rhénanie-Palatinat, la loi sur la transparence est déjà passée. Den Irrenes-Staatlich-Vortrag von Arne Sensroth, der sich mit diesem Thema etwas intensiver auseinandersetzt, als er sie jetzt. On a une session d'Anna Sensroth qui se concentre sur le sujet. Ici, on ne veut pas se concentrer sur la Chambre de commerce de Hambourg, mais c'est plutôt quelque chose de stratégique. Quand on parle de loi sur la transparence, ça veut dire que dans le registre sur la transparence, on a des informations qui doivent être écrites. Mais ce qui est plutôt important, c'est comment on doit renseigner ces informations et qui est forcé et comment à écrire des informations dans ce registre. Also da werden wir dann wahrscheinlich später, donc, ich weiß nicht, wie schnell die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist. Plus tard, je ne sais pas quelle vitesse le tribunal, mais plus tard on aura des résultats. Ok, donc on va peut-être clôturer le mois de janvier. Donc, non, juste avant, il y a encore l'histoire berlinoise. Ok, donc, bon, on finit janvier, février. Donc février nous a apporté un sujet qui s'est un peu étendu sur toute l'année. Au noyau, il y a un iPhone 5C et un attentat, enfin un terroriste. Toujours est-il que le terroriste avait un iPhone 5C et la bataille s'est étendue sur le plan international. Öffentliche Sache zwischen Apple und dem FBI. Donc la fameuse bataille de Apple versus FBI. Donc le FBI voulait avoir des backdoors dans des systèmes d'encryption. Il y a aussi l'Allemagne qui était impliquée. Donc la position était relativement claire. Donc la Cour constitutionnelle allemande a clarifié que se défendre contre des tentatives d'attaque était un droit fondamental. Going dark, wie es immer so schön heißt. Die zog sich halt eigentlich durchs gesamte Jahr, also bis jetzt noch in den letzten Wochen rein. Donc cette thématique s'est étendue sur toute l'année. À la fin, la discussion s'est en fait résolue en ce que le FBI a fini par trouver une solution indépendamment de l'issue du procès. Mais le procès continue malgré que semblerait que le FBI a réussi à casser l'iPhone dans l'intervalle. Gewobbelt hat so, aber sich dann halt eben doch auf die Leute in deutscher Kryptopolitik zurückbesonnen hat, die halt sagen so, okay. Donc, certains conseils locaux ont décidé que la cryptographie doit être sûre, avec des clés fortes, et il n'est pas raisonnable de demander des portes dérobées dans les systèmes, contrairement à ce que préconiseraient notamment les extrémistes. Et ce qui se passe, l'idée, c'est aussi que nos activités se tournent vers la recherche de telles backdoors et de telles tentatives d'accéder aux données de manière dérobée. CITES, genau, ja. Kann man es mal nicht merken. Wo die versuchen halt irgendwie ihre Ressourcen zu bündeln, um halt irgendwie encrypted messenger apps zu umgehen oder Schwachstellen in Storage Crypto zu finden, zum Beispiel die halt von den Telefonen. Donc on essaie de se battre contre ces tentatives de contourner les moyens de chiffrement.
Par exemple, il y a eu des demandes officielles comme quoi ils voulaient pouvoir accéder aux données malgré le chiffrement, et donc ça, ça implique des portes dérobées, des chevaux de Troie et ce genre de choses. Donc ça, c'est bien formulé. La sécurité à travers la cryptographie et la sécurité malgré la cryptographie. Donc ça, ce sont les deux idées distinctes de sécurité, et c'est assez drôle de voir la différence que font les organismes entre ces deux aspects. Donc on a eu un programme assez chargé de ce point de vue-là. Donc il y a eu notamment une conférence en salle 1 pour la bataille, le Fight for Encryption. Il y a eu une deuxième conférence en salle 2 sur Hacking the Planet. Et puis encore une nouvelle conférence qui va arriver avec Stop Law Enforcement Hacking. Donc, ce thème, comment on peut avoir plus, enfin comment on aura plus de chevaux de Troie étatiques, plus on aura d'encryption. Donc ce thème sera beaucoup traité aussi au cours de ce congrès, et nous occupera probablement encore aussi pas mal au cours des années à venir. Waren halt so, mir sind zwei Sachen an diesem Beispiel aufgefallen, weswegen wir das überhaupt, weil der nicht sozusagen unmittelbar CCC verbunden ist. Aber donc, on a deux choses qui sont vraiment très liées au CCC. Donc, il y en a une. Donc, même si c'est une affaire intérieure américaine, cette histoire Apple contre le FBI. Et donc ça s'est propagé à l'international, et en fait ça a donné suite au débat au cœur de la question, qui est en fait la vie privée qui se construit dans les données de ces appareils, et le rapport à ces données a vraiment changé récemment. Et donc maintenant il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que à quel point en fait leur vie privée est exposée actuellement via ce genre de problématiques. Et donc ça a changé un peu la donne sur les débats qu'on avait déjà il y a 2-3 ans sur la cryptographie. Associated Press and Vice Media haben übrigens von Falllaufen gegen das FBI. Donc la presse associée et Vice Media ont une affaire en cours, un procès en cours contre le FBI. Ils ont envie de savoir comment l'iPhone a été hacké pour finir. Donc en fait, ils aimeraient forcer le FBI à devoir divulguer ces informations pour pouvoir les publier dans la presse. Ok, donc on ne veut pas s'attarder sur le sujet. Donc, des fois, on s'occupe aussi de construction. Das Thema Smart Home, was ja irgendwie okay. So sich so ein bisschen durch die... Là, on va parler un peu du thème des maisons intelligentes. Das Land Rhein-Pfalz. Donc, le Land Rhénanie-Palatinat. Donc, avec l'aide du Chaos Computer Club, donc, qui a développé une résolution, un conseil, donc, dans le sens de la sécurité de ce genre d'installation. Et donc, on a encore rédigé un résumé de ça sur le site du CCC. Et donc, on se penche beaucoup sur la sécurité des informations, et en fait parce que c'est un système de surveillance à la maison qui nous surveille sans arrêt, quand on ouvre le frigo, quand on allume la lumière, quand on va se coucher, etc. Quand on est par exemple en vacances aussi. Et donc il y a un certain nombre de recommandations qu'on voudrait faire qui nous semblent importantes. Et donc notamment qu'il faudrait être assez avare en données, ce qui va un peu à l'encontre de la tendance. Et le problème, c'est que dans ce genre de système, c'est vraiment le royaume des données. Donc il y a des données dans tous les sens qui circulent.
Et on finit par ne plus pouvoir se chauffer, par exemple, sans donner ce genre de données. Et donc, on finit par se retrouver dans l'obscurité et dans le froid. Il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Et ça serait bien que des gens se rassemblent et que ça se fasse à l'échelle de la région. Et je trouve que c'est très important et que ça devrait être surveillé. Donc, ensuite, il y a eu aussi au début de l'année notamment des discussions par rapport à l'internet de la merde, l'internet des objets. Et il y a eu aussi des discussions avec les opérateurs de télécom. On s'en est occupé assez tôt. Ok. Wir müssen uns wirklich unbedingt entschuldigen, falls wir wieder Veranstaltung vergessen haben, oder? Also on va s'excuser parce qu'on va encore revenir aux événements. Donc le CCC a des événements locaux. Donc pourquoi est-ce qu'on en prend certains et pas d'autres? Donc c'est un échantillon représentatif qui ont été choisis par compatibilité du point de vue du calendrier. Wir sitzen hier jedes Jahr und zittern so ein bisschen, welches wir dieses Jahr vergessen zu erwähnen. On se retrouve ici chaque année et on tremble un peu à l'idée de savoir quel événement on a bien pu oser oublier et malgré les efforts que les gens ici dans cet événement. Donc, par exemple, j'ai pas assisté à une conférence sur les traces de données, j'ai pas été sur Vancouver, donc il y a plein d'events. Mais ici, j'aimerais attirer l'attention spécialement sur un event qui a eu lieu à Salzbourg. Okay. Une plus petite association où on a créé un événement. Donc là, toutes les présentations sont ici enregistrées et disponibles. Il y a eu un match à la mort de robots qui aura lieu, enfin qui sera aussi remontré ici encore ce soir. Il y a aussi le hack de des tasses de Pâques. Je suis triste que j'ai pu assister à aussi peu d'événements cette année. Le fait qu'on arrive à retrouver toutes les présentations, même celles de plus petits événements, sur Internet, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, je pense que c'est pas juste cool, mais c'est aussi assez unique, parce que je connais qu'un fournisseur de prestations publiques qui a cette qualité et ce professionnalisme. Alors que là, c'est dans le cadre de quelque chose de complètement gratuit. Donc, chaque fournisseur de prestations professionnelles que je connais est loin derrière nous. Et ça, je trouve incroyable. Das ist überhaupt immer das Coolste, wenn wir den Rückblick machen und uns überlegen können, wen können wir die sich ja wieder geil loben, weil die so toll. Quand on fait le bilan, on profite toujours pour donner nos félicitations à toutes les personnes impliquées. Ist nicht etwa, weil ich gestern zu viel Nein, hier gefeiert habe, ist ein biometrisches Feature, weil sich diese ganzen Sprachdevices jetzt so verbreiten und ich habe meine Stimme wegen der biometrischen Erkennung ändern lassen. Nicht, dass ihr glaubt, ja, wir haben hier gestern gefeiert. Okay. Si j'ai une voix un peu bizarre, c'est pas parce que j'ai trop fait la fête hier soir, c'est parce que j'ai laissé changer ma voix pour éviter la reconnaissance biométrique. Um den Trump-Hype rum, da können wir euch den Zahn ziehen, das war nämlich jetzt anders. Das ging nämlich schon im März. Là, c'est une nouvelle affaire qui a commencé. Enfin, l'affaire de la campagne de Trump a commencé déjà en mars. On a le service de renseignement allemand. Donc le cœur de ce débat est la désinformation et la dispersion de fausses d'informations erronées. Wahrscheinlich auf Webseiten.
Und deswegen brauchen wir den Bundesnachrichtendienst. Semblerait que les Russes attirent des réfugiés en leur promettant le paradis sur Internet. Et c'est pour ça qu'on a le service de renseignement et tactique qui découvre toutes ces campagnes de désinformation. Man setzt den unglaublich wichtigen BND gegen die Russen ein. Irgendwie so. Ist auch egal. Donc on a un combat incroyable du service de renseignement contre les Russes. Und auch eine neue Aufgabenstellung für uns alle entdeckt haben. Die geht nämlich so, ja, wir, irgendwie zusammen mit dem BSI, was ich erst noch richtig erheitern fand, nous, avec le service de renseignement, on devrait maintenant Seiten der Trolle enttarnen. Trouver, détecter les sites de désinformation et de trolling. Ich finde, ihr habt die seit März auch nicht alle so richtig geschafft. Habt ihr denn schon alle einen Kontaktmann beim BSI? Est-ce que vous avez du coup déjà tous un contact maintenant chez le service de renseignement? Nee, die enttarnen doch mit uns. Ja, genau, machen wir. Also wir müssen auf jeden Fall darauf achten, bevor die Leute hier das Gebäude verlassen, dass wir von jedem Rechtfertigung einholen, was er denn dieses Jahr alles aufgedeckt hat. Faudra qu'on trouve une justification de chacun pour prouver qu'est-ce qu'il a fait cette année depuis mars pour trouver ses badges. Mitarbeiter, das ist ein Cyberware-Badge. Cyberware, aber das kommt ja erst nachher. Aber es ist, schon spannend, was immer für Ideen an den Chaos Computer Club reingetragen werden. Das passiert so mehrmals im Jahr. C'est quand même fascinant, le nombre d'idées qui sont apportées au Chaos Computer Club chaque année. Ich habe gesagt, so, ja, weil ihr das mit der Krisennummer nicht gemacht habt, gibt's jetzt die Cyberware, das habt ihr jetzt davon. Dieses Mal sollten wir jetzt irgendwie die Wahrheitswächter des Internets werden. Cette fois, on aurait dû devenir les gardiens de la paix de l'Internet. Das könnte aber einigermaßen entertaining werden, wenn wir das versuchen. Wenn wir die Trolle enttarnen? Ja, ja. Bah, ça pourrait être assez drôle d'aller chasser le troll sur Internet. Achso, du meinst, die sind? Das habe ich nicht mal gedacht. Interessant ist übrigens noch, also ich müsste mal denken, das ist März. Und wer hier spricht, ist der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses. Patrick Sensburg heißt er. Und ich fand daran so interessant, dass er im März sagt, dass es Verbote und Blockaden auf keinen Fall gibt. Là, Meinungsfreiheit. En mars, on a dit qu'on n'a pas le droit, enfin, les obstacles à la liberté d'expression devraient être interdits, alors que maintenant le débat a beaucoup évolué. Okay, es ist nur eine Sortise und einfach auch eine Aufgabenstellung für euch alle, denn ihr seid ja schließlich der CCC. Also bitte macht euch mal dran, die Trolle zu enttarnen. Donc, voilà, comme ihr wisst, wo sie sind. Essayez de remplir l'obligation que vous avez donné le service de renseignement et trouver les trolls. Noch ein paar, oder eigentlich zwei jetzt. Zwei Beispiele für ein bisschen größere Produktionen, die sich, also wo wir uns ein bisschen Arbeit gemacht haben, aber die vor allen Dingen auch den CCC abbilden. Das ist einmal vom ZDF Info, der wirklich schöne alte Bilder zusammengetragen hat. Là, on a aussi une présentation de ZDF Info, c'est la vision allemande, qui a montré plusieurs images des anciens congrès, des divers événements du CCC. Und zum Zweiten, was ganz großartig war und, glaube ich, auch einen Preis bekommen hat. Ach so, ja, genau. Hier ist wieder ein Brief. Quarks & Co. hat sich dem Cyberwar gewidmet. Das ist jetzt hier dédié à la cyberguerre. Dargestellt, aber sie haben sieben Dinge, die sie wissen sollten, haben sich sieben Cyberphänomenen gewidmet. Ils ont unter anderem damals schon quasi attesté de sept cyberphénomènes. Donc, là, il parlait du Darknet. Donc, il y en a un qui a montré un peu ce que c'est le Darknet, qui est aussi un peu autre chose que des armes et de la drogue. Ils ont fait aussi une analyse étatique de Loki, donc ce ransomware, qui avait à un moment mis à genoux plusieurs hôpitaux. Et puis, ils ont reçu étonnamment beaucoup de temps de parole dans une émission nationale pour parler justement un peu des thèmes actuels getroffen und die waren ganz stolz, dass sie dafür auch noch einen Preis bekommen haben. Et ils ont été très très fiers en plus d'avoir reçu encore en plus de ça un prix pour cette émission. Dafür, dass man auch komplexere Cyber-Zusammenhänge. C'est aussi un bon exemple pour
In einer halben Stunde, montrer qu'on peut aussi parler de sujets assez complexes au niveau super dans une émission de seulement une demi-heure. Et on est très content qu'aujourd'hui les rédacteurs prévoient aussi des temps d'émission qui sont dédiés à des sujets de nouvelles technologies et qui en plus de ça il y a une certaine reconnaissance à travers des prix, donc ça c'est très très bien pour nous. Encore un autre thème où on a essayé d'être un peu plus proactif cette année, c'était la question de malware dans la publicité. Donc là, c'est une évolution dans la manière de distribuer du malware. Donc, on arrive aussi, par exemple, à faire des attaques plus ciblées dans la mesure où on a la publicité plus ciblée. Et la branche de la publicité n'aime pas trop qu'on mentionne le sujet des malwares à travers les réseaux de publicité. Parce qu'il y en a aussi plusieurs qui ont été distribué à travers des plus grands réseaux de publicités. C'est un sujet qui nous a accompagné un peu durant toute cette année. Donc, il y a eu une conférence d'experts sur ce thème lors d'un événement. Ja, meinte dann einer von den Werbeleuten, die da auch waren, meinte so, ja, also wir liefern noch Milliarden von Bannern aus und da passiert einfach nie was und so. Und il y avait plusieurs publicitaires qui ont assisté à cette conférence qui ont dit qu'en soi, oui, d'accord, mais en même temps, on livre des milliards de publicités et il ne se passe jamais rien à ce moment-là. Donc, entre autres, il y a aussi Spiegel Online qui avait eu ce problème. Là, il y avait aussi une discussion avec les publicitaires si on devrait interdire les bloqueurs de publicité. Ce thème est tellement prépondérant que c'est devenu une véritable question politique. Donc, mon avis personnel, c'est qu'il ne s'en passera rien, rien que pour des raisons techniques. Mais en tout cas, les maisons d'édition qui voient leurs revenus publicitaires chuter essayent d'en faire une priorité et essayent de trouver des solutions aussi au niveau politique en faisant du lobbying. Donc, pour être clair, quelle position nous on a, c'est que vous avez tous le droit de filtrer votre contenu selon bon vouloir. Mais on n'a pas non plus d'intérêt. Enfin, on ne veut pas trop se mêler aux business models, aux divers business models qui peuvent être liés à la publicité ou aux adblockers, qui vendent des publicités qui passeront à travers l'adblocker. J'aimerais encore juste dire quelque chose concernant l'image. Und Thorsten und Frank haben eingangs, und das ist genau der Moment, den ich da gescreenshottet hatte. Donc le screenshot, gefragt, wie viele Leute im Publikum mit Werbung ihr Geld verdienen. Exactement le moment où les deux paroliers ont demandé au public de lever la main, ceux qui gagnent leur argent avec la publicité. Also die haben... Die Republika hat halt ein bisschen anderes Publikum als der Kongress. Donc il y a un public un peu différent là-bas que le public qu'on a au Congrès. Man hörte dann auch so das eine oder andere leise. On entendait aussi un petit murmure de discret quand la présentation est passée. Man diesen Ausschüssen rum und kennt sich am besten mit den Adblockern aus, begründen, warum wir ein gesetzliches Verbot von Adblockern unbedingt brauchen. Adblocker-Verbot? Ja. Also einer muss das mal erklären, warum brauchen wir unser Gesetz? Et donc voilà, explique maintenant pourquoi on aura besoin d'une interdiction étatique des adblockers. Donc mon avis, c'est que les adblockers, ils empêchent les médias de se financer. Donc les maisons d'édition disent que si le nombre d'adblockers augmente encore beaucoup, les moyens de financement pour les maisons d'édition va
quasiment disparaître. Wir haben ja schon vor längerer Zeit halt mit der Kulturwertmark mal einen Gegenvorschlag gemacht. Donc nous on a fait une contre-proposition. Modelle, wie halt Geld verteilt wird an Medien und an Kulturschaffende. Une interdiction étatique pour trouver d'autres moyens qu'on pourrait distribuer de l'argent des maisons d'édition que en interdisant. Okay, wollen wir die Adblocker und den Malvertising verlassen? Ja. Donc voilà, on va s'arrêter sur le thème des Adblocker et du Malvertising. Würdigen. Ja gut, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, Adblocker gibt es jetzt überall. Oui, maintenant on a des bloqueurs d'Adblocker. Vous avez vu ça sur différents sites de presse en ligne ou autres, où vous pouvez pas... Et après on a des bloqueurs de bloqueurs d'Adblocker. Blocker. Des bloqueurs de bloqueurs de bloqueurs. Et on va commencer à parler de bloc 4. Block 4.0, oui. Ja, aber die, also es ist schon ganz interessant, wie die argumentieren. Da gibt's ja jetzt auch Gerichtsverfahren oder Klagen. Donc c'est drôle comment l'argumentaire est fait. Il y a des procès, il y a des critiques. Un utilisateur se met un adblocker. Donc le site met un bloqueur d'adblocker et l'utilisateur prend un bloqueur de bloqueur d'adblocker pour pouvoir voir le site quand même. Et donc la prochaine étape, c'est le bloqueur de bloqueur d'adblocker qui va devenir illégal. Ja, wir müssen ja aber nicht alle Seiten adäquat würdigen. Hallo, ich meine, jetzt kommt der Staatstrojaner. Ich bitte dich, wir würdigen nicht alle Seiten adäquat. Non, mais ce sera pas adéquat, parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir le Trojan d'État qui va venir espionner. Es hängt zusammen mit dem BKA-Gesetz, weil ja sowohl eine Ermächtigung für den Staatstrojaner, den sie Quellenticker nennen, also der Staatstrojaner. Donc ça va aussi avec ce Trojan d'État. Donc pour récupérer des informations, notamment sur les sites qu'on consulte, mais aussi le contenu du disque dur, par exemple. On a attendu assez longtemps parce que la loi date de 2009 et il y a énormément de problèmes dans cette loi, donc notamment à cause de surveillance d'appartements. Et en fait, ça donnait beaucoup de pouvoirs problématiques à l'État. Le débat, en fait, depuis la publication de ce Trojan, a changé un peu, notamment au CCC. On a eu notamment une audience et en fait le Trojan ne jouait plus un rôle aussi important qu'au début. Et donc il y a eu des discussions sur la confiance en fait dans ce genre d'outils. Et donc, on est impatient de voir ce qui sera contraire au droit. En quoi la restriction des fonctionnalités rend la collecte d'informations de masse plus difficile. Weil mit dem eigenen Aufbau ihres Staatsräumers vorangehen, ging ja auch darum, ob sie selber... On voudrait voir aussi comment ça se passe du point de vue du développement de ce Trojan. Est-ce que l'État aura accès au code source et ce genre de choses. Et donc il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de compromis non plus qui a été pris là pour l'instant. Il semblerait que ça marche pas non plus et qu'on peut pas limiter les fonctionnalités du Trojan. Et donc là il y a cette recommandation qui entre en jeu. Et donc du point de vue central, il n'y a pas vraiment d'amélioration, mais il n'y a pas non plus ça n'a pas non plus empiré. Et donc, le ministre de l'Intérieur a un peu rayé cette ligne déjà avant la discussion qu'on avait eue. Et pendant l'année, il y a eu aussi la version mobile maintenant du Trojan d'État pour les téléphones. Et donc, ils ne veulent pas en démordre en fait, de cette collecte de données.
die wir ja schon kurz angesprochen haben, so diese Notwendigkeit, die bei Strafverfolgungsbehörden. Et donc, il y a toujours ce débat de la nécessité de surveiller sans arrêt les citoyens et de l'emprise que doit avoir l'État là-dessus. Die alten Folien durchgesehen, das fand ich mich übrigens. Vorsicht, es gibt jetzt einen optischen. Donc, attention, maintenant il va y avoir une vision optique peut-être un peu traumatisante. Donc, j'ai recherché la présentation que j'avais faite en 2007 à propos de la BKA. C'était pas mon design. Donc, après une dizaine d'années, les discussions nous ont pas avancé beaucoup plus loin. Et on en sait toujours aussi peu sur le Trojan d'État. Mais on a aussi quelques nouvelles positives. Wir mussten eine kleine Stellungnahme abgeben. Also das Positive war, ich bin doch noch reingekommen. Und zwar, donc, aber nicht mit dem Shirt. Das war nachher. Je suis aussi Bundestag, hallo, schönen guten Tag. Entré au Bundestag, mais j'étais pas sur la liste des visiteurs. Herr Neumann, ja, und dann darf man dazu seine Anhörung. Und dieses Mal war es in einem Gebiet, wo wir eigentlich selten gefragt werden, was ich aber umso schöner fand, dazu mal was zu sagen, und zwar Besteuerung. Dans un domaine, Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, den Einsatz von sogenannten Risikomanagementsystemen zulassen sollte bei der Prüfung von Steuererklärungen. Also es geht donc, on a été questionné aussi sur le problème du risque de saisie des données par rapport à la déclaration d'impôt. Donc on envoie les données de la déclaration d'impôt qui sont envoyées vers le cloud et donc il y a besoin d'une intelligence artificielle derrière. Ils l'ont dit qu'à demi mot. Et donc cette intelligence artificielle s'appelle système de gestion de risque. Et donc elle devrait chercher qui doit être contrôlé. Donc il faut savoir aussi que ce système de gestion du risque propose qui il faudrait contrôler pour vérifier la déclaration. Donc d'un certain point de vue, l'idée n'a pas l'air si mauvaise que ça. Mais on pourrait imaginer que les financiers fassent pression sur leurs concurrents en leur provoquant des contrôles. Et donc, on ne sait pas non plus si ce système de gestion de risque ne reconnaît que certains détails suspects. Et donc, on se demande si ça ne serait pas plus efficace finalement de le faire ça avec des humains. Donc, il se pose la question de l'entraînement de ce système. Et donc, il s'agissait aussi d'algorithmes. Comment est-ce que je peux faire un tel système? Comment est-ce que je peux empêcher qu'il fasse des discriminations et qu'il apprenne des choses fausses, par exemple, des discriminations sur les gens qui sont un peu moins intelligents ou un peu plus intelligents. Il faudrait que le système soit objectif et qu'on puisse s'y fier dans tous les cas. Et donc ça, c'est vraiment un défi aussi. Et c'est vraiment énervant quand on a un contrôle et qu'on nous dit qu'on s'entend dire c'est un algorithme qui a décidé que vous deviez avoir un contrôle. Et donc il nous faut vraiment une transparence de ce point de vue-là pour être sûr qu'il y a une égalité
pénalité par la loi. Et donc, il faudrait par exemple tester ce système de gestion du risque par rapport à un échantillon témoin. Donc, ça pourrait montrer que si ce système est fiable ou pas, et à quel point on peut trouver des discriminations et si par hasard il se concentre sur un certain groupe de personnes par exemple. Vielleicht geschickt wäre dieses Risikomanagementsystem zu entwickeln. Also man könnte dann so eine kleine Bude bauen und man ist zufälligerweise eigentlich nie von einer Steuerprüfung betroffen. Et donc il pourrait aussi y avoir des soucis par rapport au développement de ce système, des gens qui pourraient obtenir des passe-droits pour ne jamais être contrôlés par exemple. Il faut voir qui gère en fait le contrôle et le risque correctement. Wenn du da reinkommst, dann gibt's einen Knüller. Stellt sich raus, die machen das schon seit 13 Jahren. Et donc il semblerait qu'ils le font depuis 13 ans déjà. Et ça serait bien qu'il y ait ils ont rapidement besoin d'une base légale pour ça. Okay. On pense que c'est naturellement bien qu'ils décident sur la base de critères économiques, parce que comme ça, ils iront après les gros et puis laisseront les petits en paix. Mais la base légale, elle se trouve devant plusieurs obstacles. Donc, on aura une longue décision, une longue discussion où c'est qu'il faudra trouver où c'est qu'on pourra avoir de la valeur et il y aura plusieurs conflits légaux. Donc, moi, j'ai trouvé très intéressant de participer à ces débats parce que il y a eu une contre-proposition de la part de l'opposition et qui a été déclinée. Donc, la question, que contient exactement ces algorithmes ? Donc il y a une discussion par rapport au fait que est-ce que l'intelligence artificielle peut créer elle-même des discriminations. Donc il y a cette discussion s'étend sur beaucoup d'autres contextes que les impôts. Et donc, est-ce qu'on peut quitter maintenant cette discussion sur les impôts ? Donc, en fait, nous n'avons rien à voir avec le droit des impôts. Donc, on va revenir au cheval de Troie étatique. Donc, en Autriche, ils ont un problème relativement similaire parce qu'il existerait aussi aujourd'hui un cheval de Troie étatique. Donc, le débat est relativement semblable à ce qu'on a connu en Allemagne. Donc, là, il y a aussi des réactions très critiques immédiates. Donc, il y a aussi eu beaucoup de débats dans la presse sur les frais, parce qu'il y a eu, semblerait-il, des millions de frais de licence qui ont aussi été engagés. Un débat économique qui n'a pas eu lieu en Allemagne, donc il y a eu quand même une différence en Autriche. TKÜ genannt wird, also insbesondere um eine Spionagesoftware, die laufende Kommunikation abhört. Donc, il y a eu des discussions sur un cheval de Troie qui arrive à intercepter des communications en cours. Donc, le Chaos Computer Club de Vienne a eu des discussions qui étaient beaucoup plus riches finalement que juste des questions techniques. Avant de prendre finalement avant de donner sa prise de position officielle. Donc il n'était pas seul non plus à faire ça. Il y a eu pas mal de critiques, notamment de la part d'organisations non gouvernementales. Et on était content qu'il y ait eu d'autres organismes qui participent à ça. Donc, il y a eu notamment une opposition qui s'est bien développée. Et donc, on a eu aussi un événement de la CryptoCon à Leipzig, avec un très joli artwork.
Weil ich glaube, das ist auch ein gewisser Trend, für der 2016 noch nicht abgerissen ist. Et donc, tant que la tendance n'est pas encore arrachée pour 2016. Sie haben getan und sich für Crypto-Partys zusammengefunden. CryptoCon hat aber auch ein richtiges Programm. Donc la CryptoCon avait aussi un programme assez complet. Und auch hier, wie wir das vorhin schon erwähnt haben. Et comme on l'a déjà évoqué. Und Sublab in Leipzig wollte sich natürlich auch. Donc il y a eu le concert aussi de d'autres organismes à Leipzig. Generell das ganze Jahr in allen möglichen Erfas und Chaos. Et donc il y a eu des crypto parties un peu partout dans diverses associations locales. Et donc aussi pour communiquer au grand public, montrer aux gens comment ils peuvent se protéger eux-mêmes. Et c'est allé beaucoup plus en direction de la messagerie instantanée. Et donc ensuite, on voudrait évoquer l'événement suivant qu'on n'a pas oublié. Donc avec cette magnifique photo, c'est un événement qui a lieu depuis 2002 maintenant. Et c'est une des plus grandes organisations locales. Donc là, on a le développement logiciel, la cryptographie, la sécurité et d'autres thèmes qui sont communs en fait à pas mal d'organisations. Et donc ça s'est fait sous forme de workshop. Ja, zu meiner Schande habe ich das Gulasch wieder nicht probiert. Et donc, à mon grand regret, j'ai toujours pas essayé le goulash. Wir wollen uns nochmal einmal ein bisschen größerer Debatte zuwenden. On va s'intéresser à un débat un peu plus important de nouveau qui a gagné de l'attention grâce à un événement bien spécifique. Die sind ja schon immer total bekloppt, die Bilder, also die Hacker-Stock-Fotos. Donc les Stock-Photos de hackers, elles sont toujours un peu marrantes, mais celle-là, elle est complètement folle. Donc vraiment, un nez rouge, sérieusement. Achso. Donc, c'est censé symboliser quoi? Un troll? Non, Linus, non. Un clown, quelque chose qui est tombé, quelqu'un qui est tombé avec le côté droit dans un peu de peinture. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec son nez? Est-ce qu'il a essayé de mettre à jour Windows 10? C'est pour ça qu'il est devenu si bleu? Ou qu'est-ce que c'est censé symboliser? Ce nez rouge? Rudolph, the red-nosed hacker. Oui. Donc un cyberclown ou Rudolph, le hacker au nez rouge. Le cyberclown, non. Okay, on voulait en venir où en fait déjà? Je sais. Donc, l'arrière-plan est sombre. Et c'est pour ça qu'il va dans le Darknet. Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans le Darknet? Il surf. Donc on dirait qu'il joue au solitaire en regardant l'écran. Donc, le débat du Darknet était à nouveau un thème prépondérant cette année. Donc la question de qu'est-ce qui se passe en fait en réalité sur ce Darknet, cette question était une question récurrente. Et donc il y a eu une attaque à Munich, mais étant donné que la personne était blanche, c'était pas une attaque terroriste. Donc il a aussi soi-disant le fait qu'il a crié des slogans nazis, c'était qu'un simple malentendu évidemment. Et puis il a essayé d'acheter pendant des mois un fusil sur le Darknet. Et puis évidemment suite à cela, il s'est pas pris long avant que le débat se lance sur le Darknet. Il a donc essayé d'acheter un fusil sur le Darknet. Et puis après, il a écrit sur des forums sur ses problèmes, des forums de Darknet, sur ses problèmes d'acheter des choses sur le Darknet.
Donc, il avait quelques problèmes à trouver ce qu'il voulait, mais c'était relativement clair que. Mais vu que le débat en bref était qu'on a des fusils Darknet qui viennent sur nous, évidemment, a lancé le débat. Donc, la question c'est est-ce que la sécurité, malgré la cryptographie, fonctionne quand même? Personne ne veut retirer l'anonymat en fait aux dissidents, mais on pourrait pas peut-être espionner quelques services individuels ou quelques vendeurs sur le darknet au cas par cas. Donc, évidemment, vous pouvez, mais grâce à du bon vieux travail de police. Donc Il y a eu toute une procédure pour essayer de retrouver la personne qui a vendu donc le fusil à cette personne-là au Darknet. Parce que du moment qu'on veut faire une transaction en physique, bah évidemment, on ne peut pas télécharger un fusil. Donc, il faut bien un certain moment aller rencontrer le vendeur. Il faut envoyer le fusil, il faut faire une transaction monétaire. Et finalement, cette transaction qui a pris naissance sur le Darknet a quand même dû donner lieu à une rencontre physique entre les auteurs. Et puis, en fait, si en fait il avait fait comme à l'ancienne, donc il avait été rencontré un trafiquant d'armes, etc. Bah en fait, au final, la police n'aurait même pas eu toutes les informations qu'ils ont trouvées grâce au Darknet, qui ont vu les messages qu'il avait envoyés, qui ont vu les transactions, enfin les tentatives d'achat qu'il a fait, etc. Donc, au fait, au contraire, un trafiquant d'armes qui vend sur des canaux classiques. Donc là, on a une page qui a fait beaucoup d'écho médiatique, ou une page hongroise. Propose de vendre des armes qui sont donc en vente libre en Hongrie, qui les vendent à des Allemands avec ces armes qui sont chargées avec des munitions aussi en vente libre. Donc, ces armes en achat libre en Hongrie sont proposées sur des pages librement accessibles en Allemagne. L'avis officiel des services de police allemands était de dire que contre ces pages-là, on ne peut absolument rien faire, mais par contre, ils veulent nous interdire l'accès au Darknet. Donc, alors que le Darknet a servi aussi les a bien aidés à retrouver l'acheteur et le vendeur finalement. Et donc en fait ça n'a plus rien à voir avec le problème initial, mais on va taper dessus quand même. Et donc ça, c'est la partie un peu frustrante du travail de presse du CCC, c'est de devoir tout réexpliquer à chaque fois. Donc par rapport à ce qui se passe sur le darknet, donc l'anonymat du vendeur et de l'acheteur, ça peut pas se faire qu'il y ait des transactions anonymes. Et donc c'est difficile aussi pour le vendeur et l'acheteur, parce qu'ils savent pas s'ils sont pas en train de discuter en fait avec un policier. Et donc il y a des gens qui peuvent en parler de ça de manière assez triste. Donc, par exemple, Dread Pirate Roberts, qui donc le manager, enfin l'auteur du Silk Road, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Donc les vendeurs sur le Darknet sont quand même, courent un certain risque, parce qu'ils ont quand même une certaine attention qui revient sur eux. Donc maintenant, ce serait complètement insensé d'aller casser ces technologies d'anonymisation, parce qu'il y a quelques fous qui se retrouvent sur ces sites. Donc,
der dazu führte, dass Pressevertreter die Datenbank irgendwo herbekamen von, also von den Käufern. Donc, il y a aussi encore une histoire sur ce site, sur la slide, comme quoi il y a des maisons de presse qui ont essayé de, enfin, qui ont réussi à avoir un extrait de la base de données du site, et puis qui ont été vitées, donc quelques-unes de ces personnes qui ont commandé des armes à la maison pour leur demander, mais, enfin, dans quel but exactement ils ont acheté ces armes. Donc, mais évidemment, le trafic d'armes existait déjà bien avant le Darknet. Et puis, peut-être plutôt que de se focaliser sur le Darknet, il faudrait plutôt prendre la question au cœur et simplement se focaliser sur le trafic d'armes de manière générique. Et donc, on a eu pas mal de surprises, notamment le fait qu'il a fallu tout expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est le Darknet ? D'ici, enfin, à ce moment-là, on était déjà en 2016. Et en fait, mon ressenti pendant les négociations, c'était que le gouvernement ne garde pas tous les éléments dans son champ de vision. Et donc, il y a eu tout de suite des affaires de trafic de drogue. Là, tout le monde était à nouveau là. En fait, on se rend compte que du point de vue technique, ils ont un niveau assez bas. Et en fait, le concept de Darknet lui-même, en fait, c'est assez vague et on peut s'imaginer tout et n'importe quoi là-dedans. Le fait qu'il n'y ait pas eu de définition claire, ça a rendu les débats assez difficiles pour nous. Donc, dans ces débats, on a essayé de définir ce qu'était le Darknet. Qu'en fait, il y a rien de bizarre là-dedans. Les journalistes utilisent toujours et encore ce mot Darknet sans vraiment savoir de quoi il s'agit. C'est très important pour les gens. À quel point le Darknet est important. En fait, on part du principe que le Darknet, en fait, c'est quelque chose d'obscur dans l'ombre, mais en fait, il y a rien de vrai là-dedans. Puis que chaque utilisateur de ce réseau, en fait, rend le réseau meilleur. Donc, en fait, on devrait tous se mettre à utiliser le Darknet. Si des fois vous voulez vous amuser un peu et que quelqu'un redemande qu'est-ce que c'est vraiment le Darknet, donc j'ai eu une discussion de 20 minutes avec un journaliste sur la question est-ce que Facebook est du Darknet, parce que Facebook a quand même une adresse en .onion. Donc on voit à quel point la distinction est encore obscure pour les médias. Donc, je pense que notre travail a été très compliqué là-dedans, mais ça a été un grand succès aussi, parce que une des premières publications du chef du BKA a été non, mais on ne veut pas l'interdire, mais on voudrait éviter que n'importe qui puisse acheter des armes ou des drogues là-dessus. Et je pense que qu'on a déjà suite à notre présence relativement tôt, on a pu un peu orienter les discussions en défaveur de l'interdiction du Darknet. Parce qu'en Chine, par exemple, avec le grand firewall, c'est déjà suffisamment triste. Il faut faire attention aussi à comment les gens prennent part au débat. On a aussi parlé d'un communiqué assez triste pour la grâce pour Chelsea Manning. Donc Chelsea Manning avait en juillet a fait une tentative de suicide et devait être puni pour ça, parce qu'on doit pas le faire quand on est dans une prison militaire, c'est interdit, et donc devait être puni pour ça, et donc ça devait être une isolation totale.
schon dur indéterminé. Écoute, on regarde comment les gens sont traités. Là, donc là, ça fait il y a 3 ans que c'est arrivé. Donc, il y a 3 ans, elle a été condamnée à 35 ans d'emprisonnement pour la publication de crimes de guerre de la part des Américains et quelques câbles diplomatiques. Donc, l'emprisonnement en isolation totale qui est, selon le droit international, en fait, assimilable à la torture. Donc, comment cette personne est traitée, on le critique de manière la plus forte possible. Parce que, avec ce qu'elle a fait, elle a en fait vraiment rendu un grand service au monde. Et je pense que c'est très clair. Donc, Barack Obama n'a plus que peu de temps. Et pendant ce temps-là, qu'il est le président lame duck, il y a encore beaucoup d'autres organisations non gouvernementales qui essaient de pousser aussi cette demande qu'il fasse encore un pardon présidentiel avant la fin de son mandat. Donc, on aimerait bien que la slide arrête de clignoter. Parce que. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le problème est chez vous ou chez moi? Ok. Petit problème technique. Okay, ich wollte übrigens mal kurz hier Kritik loswerden. Es wird hier schon getwittert. Also es fällt mir auf, dass wir ganz so wach sind. Der Twitter-Sphäre, die s'énerve. Drei müde Engel für Cons. Aber uns mal hier eine Mate hochzubringen, auf die Idee kommt natürlich keiner, ne? Donc on dit trois anges fatigués pour la conférence, mais évidemment, personne n'a eu l'idée de nous apporter un maté plutôt que de râler sur Twitter. Go ahead, ihr schafft das. Ok, bon, vous allez y arriver, c'est bon. On croit en vous. Mais... Ah, bah voilà, merci. Donc, on peut profiter de cette occasion pour remercier tous les anges techniques. Nicht fertig mit den Staatsrührern, diese Dinger. Denn okay. Wir haben eine Gelegenheit benutzt, auch das Urteil nochmal zu reflektieren. Wir schreiben irgendwie Stellungnahme immer in brütender Hitze, keine Ahnung wieso. Da ging es um einen Beschluss. Donc là, il y a eu, c'était une décision de la conférence du ministre de la Justice qui ont suite à une décision judiciaire du tribunal d'instance de Karlsruhe voulu changer des bases légales. Donc il y a le parti de gauche qui a demandé si on voulait donner une prise de position technique sur la question. Comme toutes les prises de position, sur lesquelles on a parlé jusqu'ici, on trouve ces prises de position aussi sur ccc.de. Donc on les a gardées au fil des années. Donc, un peu m'est aufgefallen bei der Gelegenheit, weil ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich habe gestern noch mal kurz, ich wollte mir den Beschluss der Justizministerkonferenz noch mal durchlesen. Hier, je voulais encore une fois lire la décision de la conférence des ministres de justice. Die Justizministerkonferenz wechselt immer in die verschiedenen Städten. Cette conférence change toujours dans les différentes villes. Und die Webseite sieht so aus. Das ist die komplette Webseite, der Ende der Durchsage. Ça, c'est donc le site complet du ministère de justice de Brandenburg. Donc, au début, j'ai pensé qu'il y avait un problème avec mon cerveau. Est-ce que tu aurais par hasard un bloqueur de publicité?
Ich meine, ihr könnt ja gerne jetzt mal nachgucken, deswegen habe ich euch die Ohren eingeblendet. Ich dachte jedenfalls so gestern Abend, entweder ist mit mir was faul oder ist das irgendwie so, so wollen die uns was. Je voulais que vérifier pour moi, donc c'est pour ça que j'ai mis l'URL sur la slide. Also der, da drüben ist da so ein bisschen mehr Animation, donc, aber ich glaube, du hast sie genau in dem Augenblick erwischt, wo sie die Umstellung auf für Wahrheit und Liebe. Tu les as chopé directement au moment où ils essayaient de passer orienté comme ministère de l'amour. Donc là, vous avez une petite flèche grise sur la gauche. Hat die sich nach der Maus immer gerichtet? So. Nee! Mann, die haben auch einfach keinen Humor, ne? Est-ce que ça s'est orienté par rapport à la souris? La caméra? Non, il semblerait qu'ils n'ont pas d'humour. Il n'y avait aucune fonctionnalité à cette caméra. Nur ein kleiner. Wir machen mal weiter. Und zwar mit einer Aktion, die wir gestartet haben. Continuons avec un projet que nous avons commencé à froid. Et duquel va nous parler Nexus. J'étais occupé avec le site du ministère de la Justice, désolé. Donc, on parle de messenger, d'appareils pour envoyer des messages sécurisés, de logiciels. Ich glaube, der bunteste Messenger dieses Jahr war Babcon, die innerhalb le plus coloré, c'était Babcon cette année. Wie auch immer. Bubicon, wir haben uns darauf geeinigt, oder? Oder Babcon. On s'est mis d'accord sur Bubicon, non? Auf jeden Fall. Befinden sich Bubcon-Nutzer? Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Bubicon ici? Parce que quelqu'un en connaît un. Donc il y a des gens qui se lèvent et qui partent. Il y a quelques personnes qui se lèvent. Ils sont insultés par la question. Donc c'est une start-up qui s'est mis comme but de devenir le prochain projet de messagerie super sécurisé en Allemagne. Donc deux semaines après que leur offre soit en ligne, je me suis décidé de regarder un peu, j'ai installé cette messagerie, j'ai un peu essayé de regarder qu'est-ce qu'ils font exactement, et que ce qui est bien avec les APK, c'est qu'on peut facilement les décompiler. Donc, ce qui m'a fait un peu souci, c'est que j'ai pas du tout trouvé d'inscription. Donc, d'abord, le code était pas très lisible parce qu'il y avait des centaines de frameworks dedans qui ont juste été patchworkés ensemble. Donc, d'abord, je voulais regarder un peu qu'est-ce qui est communiqué. Donc, c'était une espèce de construction bizarre d'un framework avec des certificats SSL qui étaient qui pouvaient être trouvés en intégrité sur GitHub. Bon, toujours dit, les systèmes bien documentés. Donc, ça continuait que l'authentification, donc on devait s'annoncer avec son numéro de portable. Mais le SSL pour serveur sur Android est assez difficile parce qu'il ne vérifie pas les certificats serveur. Donc, c'était assez clair qu'on pouvait hijacker l'authentification. Puis j'ai un peu regardé les communications Java parce que on pouvait finalement lire la communication point à point en SSL parce que, enfin, grâce au certificat qu'on a trouvé sur GitHub. Il n'y a pas besoin de réfléchir encore longtemps sur ce qu'on doit en tirer comme leçon. Il ne faudrait pas juste croire n'importe quel messenger qui promet de la sécurité. On n'a pas rédigé d'article de presse là-dessus pour le moment. Mais tu as fait un site web avec les informations techniques. Ça serait...
C'est pas très sympa. Also dadurch, dass ça aurait été bien de, und, de partager. Den Leuten da Sachen mais comme il y a beaucoup de publicité au niveau des, de la presse et ils ont fait énormément de pubs et qu'ils ont eu 500 utilisateurs en quelques semaines. Je voulais pouvoir rapidement sortir les informations. Et tu veux nous dire où est-ce que tu as eu la quantité d'utilisateurs? Ah, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai lu un article on pouvait avec le Hijaber Day récupérer les numéros de téléphone et... Donc en fait ils ont brute forcé simplement tous les numéros de téléphone allemands pour voir si si le back-end reconnaissait le numéro pour évaluer donc la taille de la base d'utilisateurs. Bisschen versucht zu sagen, den Fallout nachher mal zu recherchieren, so 2 Wochen später. War mir leider absolut unmöglich, weil die ganze Diskussion hat auf, in dieser Facebook-Parallelwelt stattgefunden. Und ich toute la discussion avait eu lieu sur la page Facebook. Il doit bien y avoir des gens qui ne soient pas tout le temps logués sur Facebook et puis qui n'arrivent plus à suivre la discussion parce qu'il y a tellement d'anciens messages par que ce genre de discussions qui sont seulement sur Facebook, en tant que non addict à Facebook, on n'arrive plus à suivre les discussions. Donc là, il semblerait que je viens de recevoir un message qu'aujourd'hui il y a 15 000 utilisateurs de cette messagerie Bobcon. Donc voilà. Ça continue encore. Donc on va fermer ce chapitre. Par principe. Et donc, si quelqu'un nous... On va présenter un projet du CCC plus constructif. On a un bon exemple ici. Les personnes responsables des amendes pour téléchargement illégal. Donc, il y a déjà eu une présentation qui est online, qui a été présentée par Edgar, pas uniquement sur le système d'amende automatisé. Mais également sur tout le processus en tâche de fond. Il y a beaucoup de gens au CCC et dans la partie radiophonique du CCC qui s'engagent en permanence et à long terme sur cette partie-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va pas passer trop de temps dessus, mais on a créé un outil qui vous permet de vérifier et vous avez une vidéo disponible sur comment utiliser cet outil. Donc on voudrait aussi encore parler de l'événement Chaos Milieu Rhin. Donc, qui sont aussi développés, ils coopèrent avec l'école supérieure de Darmstadt. Donc, j'aimais bien déjà ce gros chantier qui présente si joliment des choses de la médecine dans ces espèces de gommettes d'autocollants. Donc ils se distinguent un peu des autres événements locaux parce que ils sont très axés sur la sécurité des systèmes d'information et ce depuis une dizaine d'années maintenant. Dann kommen wir zu einer weiteren Stellungnahme, die wir geschrieben haben. On va passer sur un autre
un autre article qu'on a rédigé, et là on parlait de la transparence au niveau du chez le consommateur, au niveau des opérateurs téléphoniques. Donc tout le monde a été étonné que le CCC est à nouveau venu pour se plaindre, et en fait... Le problème dans les ou ce qu'on voulait demander, c'est qu'il y ait plus de transparence au niveau des opérateurs avec un papier informant sur les fonctionnalités qui sont disponibles dans les offres. Et voilà, c'était tout. Et Alexandre Leifmann, qui est au CCC NOC, donc un spécialiste du network, du réseau. Il s'est un peu concentré sur la question pour justement voir comment ce document d'information doit être représenté et structuré pour pouvoir vraiment facilement comparer les différents opérateurs téléphoniques et choisir. Donc, c'est important de pouvoir calculer la qualité et mesurer, et il faut qu'il y ait des conséquences si jamais les valeurs promises ne sont pas atteintes par les opérateurs. On aurait bien sûr eu aussi une protection du consommateur par rapport à ce fichier d'information, parce que la concurrence sur le marché des télécommunications, ce qui empêche la concurrence vraiment d'être active, c'est le fait de s'engager pour 24 mois, et si on oublie d'annuler son abonnement 3 mois avant la fin, on prolonge encore pour 2 années supplémentaires. Moi, par exemple, ça fait 12 ans que j'ai mon abonnement et je souhaiterais vraiment avoir un reminder qui me dirait c'est maintenant l'heure d'annuler l'abonnement. Donc voilà, l'objectif, ça serait vraiment qu'on ait des conséquences sur les opérateurs téléphoniques pour avoir la possibilité de mesurer si les promesses sont vraiment tenues, donc mesurer la vitesse de connexion et das ist eine unabhängige Messung bis zum ersten Hop. Interessant ist aber natürlich das, was die Leute wirklich besuchen, vraiment intéressant, c'est ce que les utilisateurs voient vraiment et utilisent vraiment. Et ça peut pas être jusqu'à, on peut pas promettre une vitesse jusqu'à, il faut vraiment pouvoir promettre une vitesse minimum. Aber werden sie bestimmt machen. Und das, ach so, das war das, du könntest jetzt dieses. Mit dem Shirt? Das war das mit dem Shirt, ja. Linus hatte ein Linus avait aussi donc un T-shirt non adapté. Et Alexander Leifmann m'a envoyé en tant que fanboy. Hast du das nicht auf den Folien? Nee, hab ich nicht. Entschuldigung, ich hab hier. Désolé, j'ai pas trouvé la photo. J'avais un t-shirt qui parlait de dénonciation de la part de la région. Et donc il y a eu des regards un peu de travers quand je suis rentré. J'ai eu droit à quelques remontrances. Et donc on s'est mis d'accord sur un concept de calmer les choses, qu'il faisait pas si chaud et donc je pouvais enlever cette tenue. Donc ils disaient qu'ils voulaient pas de manifestation ni de communication comme ça, de propagande au public comme ça dans le parlement. Donc
Wir haben gestern einen sehr schönen Vortrag über Parlamentsschlägereien gehabt, was so ein bisschen... Es y a tout le temps des feux d'artifice et des choses comme ça dans le Parlement. Effectivement, ça nuit un peu à la constructivité, mais là, pour un hoodie... Mais bon, je peux comprendre qu'ils veulent suivre une ligne directrice claire et qu'ils veuillent pas avoir de position politique de la part des visiteurs. Et donc, parce qu'il faut aussi pouvoir se concentrer. Ensuite, en octobre, il y avait le Hackover. Donc, à nouveau, on a vendu tous les tickets. Et donc, on a eu le problème qu'on ne pouvait plus continuer à grandir sans changer de lieu. Donc, on avait le parc des expositions internationales et il y avait quelques soucis avec la tenue et il y avait quelques problèmes comme les ascenseurs qui n'étaient pas tous utilisables. Und immer wenn man versuchte einzusteigen, also eine Person passte theoretisch noch, man musste halt nicht Welche Ideen sind denn auf dem Hackover so entstanden? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme idée intéressante au Hackover? Donc, c'était une période où je changeais de boulot et que je suis devenu conducteur de train. Das war auch so ein Drive-by eigentlich, so wie die Geschichte vorhin. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja, ja. Yeah. Also das war so eine Geschichte, man steigt halt in Zug ein, packt den Notebook auf und guckt mal, was der Wirechart sagt. Donc c'était une histoire comme ça où on se met dans le train, on ouvre son ordinateur et on regarde avec Wirechart ce qui se passe autour de soi. Und ist irgendwie bei Google nach Bahn WLAN direkt der zweite Treffer. Et donc le lendemain, il y avait un résultat sur Google à propos du Wi-Fi sur les trains. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a été acheté par la Deutsche Bahn, donc ça concerne pas uniquement la Deutsche Bahn, mais aussi d'autres opérateurs de trains, notamment en République tchèque, au Royaume-Uni. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que la Deutsche Bahn a réussi à faire fermer cette page web assez rapidement. Et j'ai arrêté de chercher parce que c'était tellement compliqué. Mais il y en a qui disaient qu'on pouvait faire des trace routes pendant qu'on était dans le train. Et on pouvait fabriquer un Wi-Fi qui fonctionne. Donc, il y a eu des rendez-vous et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne savaient pas très bien faire ce genre de choses. Donc, on a aussi l'analyse par écrit que Nexus a écrite. Où les gens n'étaient pas capables finalement de lui expliquer comment ça marchait. Et en fait, il nous a été reproché de ne pas avoir donné les détails techniques dans ce communiqué de presse. Also, grundsätzlich war es halt eigentlich. Donc on a des problèmes de sécurité ici et là, c'est entre-temps quelque chose de normal. On va pas faire des articles de presse à chaque fois, mais bon, quand on a des produits qui sont utilisés par beaucoup de personnes ou potentiellement utilisés par beaucoup de personnes, les articles de presse commencent à devenir très intéressants. Bon, Nexus, il a pris le train pendant une demi-heure. On veut des opposants, pas des victimes. Une autre chose qui m'a rendu conscient après, ils ont payé ça plus d'un million d'euros et ils reçoivent un produit comme ça.
nämlich... Ce n'est pas si grave, parce que... L'aide va arriver. Ça, il avait, l'armée... L'armée du web. Ja, das war dann auch eine Spitzenidee. C'était une idée géniale. Donc, qui c'est qu'il a eu, en fait? Le BMI. Ils se sont dit que quelque part, on a besoin de... Enfin, faut quand même qu'on soit au point sur le cyber. Et puis, est-ce qu'on a les compétences pour ça? En fait, après avoir regardé... Genau, wenn wir keine Krisennummer kriegen, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann machen wir jetzt den Kooperationsvertrag Cyberware. On va faire un contrat de coopération. Ils sont dit qu'ils allaient faire un contrat de coopération que le Cyberware, qui a un contrat de coopération avec différentes entreprises actives dans le monde IT qui ont la connaissance. Donc, il y a 20 FTE par année qui sont dédiés à ce cyber, enfin, cette cyberpolice. Donc il y a quand même un grand manque de personnel dans le monde de la cybersécurité. Le truc, c'est qu'il y a quand même des jobs quand même bien plus intéressants dans le privé aussi que d'aller tous les 5 mois dans une conférence aller parler d'un truc avec un niveau de risque 5. Das, was ihr jetzt schon auf der Folie seht. Hast du dich schon gemeldet, Frank? Okay. Est-ce que tu t'es déjà annoncé pour du service volontaire à la Cyberarmée? Du musst dir das nochmal überlegen, weil wie man das halt so kennt, die Cyberfeuerwehrfeste... Faudrait peut-être réfléchir à la question, parce que... Achso, du meinst einen Besuch wert? Du meinst, die Überschneidung mit den Leuten, die wirklich gut grillen können, ist hoch? Donc, si tu penses qu'il y a un grand overlap avec les gens qui savent bien faire du grill. Donc, c'est un peu comme peut-être les sapeurs-pompiers. Parce qu'ils savent quand même bien faire la fête. Donc, ouais, peut-être c'est une motivation. Donc, on pourrait faire en fait des petites fêtes locales de cyber-armée et motiver les gens à coups de bière et saucisses. Ich frage mich halt wirklich, wie das am Ende funktionieren soll. Je me demande vraiment comment ça va fonctionner à la fin, quand même, parce que. Profitable 20 Personentage. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont juste offrir 20 FTE alors qu'ils pourraient les facturer? Entschuldigung, wenn jemand sagt, gib mal 20 Personentage, Vater Staat. Donc, si quelqu'un te dit juste, bah vas-y, offre maintenant 20 FTE à la patrie mère, on peut quand même mettre un peu la chose en question normalement. Donc, d'abord. Cyber-armée, on aurait bien déjà avoir un peu de documentation sur l'établissement de cette cyber-armée. Donc là, pour le moment, il y a juste des spéculations sur l'uniforme, sur le rêve. Avec, voilà, donc, pics or it didn't happen. Ja, im Oktober, donc, en octobre, il y a eu Fraps qui a écrit... un article. Einfach mal zu erklären, donc, il voulait expliquer comment fonctionnait en fait l'Internet. Donc, enfin, vraiment fonctionner, dans le sens de. Quelle possibilité existe par exemple d'intercepter des communications? Et puis le but final de cette discussion était de savoir si le service de renseignement devait se brancher sur ces lignes de communication, qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir en sortir? Donc est-ce qu'on aura que du trafic allemand? Est-ce qu'on aura que du trafic étranger? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, Raps a écrit un très bon article avec des beaux graphiques. Donc, nous, on a toujours des graphiques, on n'a jamais d'images, j'en ai marre, je vais faire une prise de position. Donc,
Ja, also die, ja. Diese Erklärbär-Nummer, so, also dieses irgendwie Erklären, wie funktionieren eigentlich Dinge. Cet article essaye d'expliquer justement comment fonctionnent les choses. Ich habe das sehr gern gesehen, also die Abgeordneten haben sich auch dafür bedankt für dieses Gutachten. Qui a été, article très bien reçu, donc, par le Parlement, par l'État. Also auf der politischen Seite müssen wir natürlich sur le plan politique on doit bien dire que c'est déjà bien clair que la loi sur le service de renseignement va changer notamment les pouvoirs des services secrets qui ont été renforcés. Da wollen wir jetzt in diesem Zusammenhang nicht nochmal näher drauf eingehen, weil es war ja zu sagen im Rahmen des. On va pas approfondir forcément la question, parce que. Il y a déjà eu pas mal de débats dans le cadre de la discussion entre le service de renseignement allemand et la NSA. Frankfurter D6 gegen den BND auch nochmal zurückgezogen werden auf diese Fragen. Okay. Voilà. Aber vielleicht hilft auch die Entschuldigung. Wichtig war noch an dem Punkt, wollte ich noch kurz sagen, dass c'est important. Donc eines C3NOC-Mitglieds in diesem Jahr. C'est le deuxième article d'un membre du C3NOC. Hier für irgendwie eine Grundfrage dieser ganzen Aufklärungsarbeit ist tout un travail finalement d'éducation du service de renseignement. Donc le fait que certains de nos membres vont éduquer le service de renseignement à travers d'articles de 180 pages, ça nous rend extrêmement fiers. Donc c'est cool, quoi. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on pourrait pas dire de manière générale que tout ce qu'on a rédigé, on prend des gens qui ont les compétences adéquates, mais c'est tous des bénévoles, comme nous tous ici. On investit du temps à expliquer des choses dans notre domaine de compétences. C'est beaucoup de travail et pas toujours très satisfaisant quand on est dans des papiers légaux et c'est toujours très gratifiant. Wer gerne mal möchte, kann sich auf den Seiten des Bundestags ja auch der zweite herunterladen. Ich denke, da haben wir schon auch keine. Et d'après pouvoir retrouver nos informations sur des sites comme celui du Bundestag. Mitwirkenden, die sich bei den Stellungnahmen immer so beteiligen. On voudrait parler un peu aussi de la FIFCON 16. Donc c'est une conférence pour la paix et les libertés d'information sur Internet, dont on est un des partenaires. Donc le bâtiment est vraiment vraiment super, style Blade Runner, avec plein d'escaliers drôles, on ne sait pas trop où ils vont. C'était il y a des présentations aussi avec des orateurs extrêmement extrêmement intéressants. Et puis aussi toute la conférence était gratuite pour les visiteurs. Et encore une conférence pendant laquelle on peut socialiser avec des gens bien. Et on a vraiment du potentiel dans ce bâtiment pour élargir le nombre de participants. Ensuite, en novembre, dans notre réunion de membres, einerseits zu pflegen, andererseits aber auch ein bisschen mehr Orientierung zu bieten. On veut décentraliser un peu, mais en même temps donner un peu plus d'orientation de manière globale. On a
le point local, le site local.ccc.de, c'est la possibilité de poster de manière centrale des informations sur des petits événements qui sont plus locaux, donc dédiés à un de nos sites. Donc des événements plus petits, mais gérés de manière centrale pour avoir une vue d'ensemble. Donc, si les petits événements, ils publient sur le site, ça permettrait d'avoir aussi une meilleure vue d'ensemble sur l'ensemble des petits events organisés par les différentes associations locales. Donc, on a remarqué qu'on avait beaucoup d'isolation entre les différents sites et on voulait essayer de combler ce problème-là. On a sehr coolen Weg einerseits die Dezentralisierung zu pflegen andererseits aber auch mal so eine on est en bon chemin pour gérer ce problème de décentralisation d'une manière plus intelligente. Wir sollten bei der Gelegenheit erwähnen, Linus sprach eben schon kurz an. Il faudrait à l'occasion parler de die MV, also die Mitgliederversammlung des CCC, d'un autre projet. Wer das nicht weiß, der bundesweite Chaos Computer Club ist ein Verein und so. Donc on a des réunions de membres, donc comme vous savez peut-être on est une association et du coup on a des conseils administratifs, conseils associatifs, des réunions de membres. Et on a un comité de responsables et on a des nouveaux Stellvertreter Watz und Maha, Schatzmeister Dome. Des nouveaux représentants d'associations, donc voilà. Nouveau président et co-président, vice-président, etc. On peut dire tous les membres. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur les personnes, vous trouverez tout ça sur le site internet. Voilà. On va revenir à la politique. Et donc, fin novembre, après des batailles de plusieurs années. Immer wieder auch schriftlich, als sein Recht als Abgeordneter gefragt hat, wie er denn jetzt mit Rammstein und dem amerikanischen Drohnenkrieg ist, hat er jetzt tatsächlich nach so vielen Jahren mal die Antwort bekommen, ja, die Bundesregierung weiß sozusagen, qu'est-ce qu'il en est de la guerre américaine avec des drones. Relaisstation auch Drohnen gesteuert. Une information que les drones américains sont pilotés à travers une station de relais qui doit sûrement se trouver en Allemagne. Zu unserer Überraschung, die haben sie einfach jahrelang gedrückt mit bekloppten Ausreden, dass sie also immer nochmal hart nachfragen, aber noch keine Antworten haben. Und jetzt haben sie einfach nachgefragt. Il y a eu pendant des années, on a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait exactement. On n'a jamais reçu de réponse. Et puis pour finir, à travers beaucoup de réponses un peu indirect, on a fini par comprendre qu'est-ce qu'il en était vraiment, donc que ces drones soient pilotés à travers une station relais. Donc il y a aussi la question de la localisation des devices mobiles par la NSA. Donc, il y a déjà eu une présentation hier, donc les geolocation methods in mobile networks, qui trouve déjà à travers le SS7, donc on peut trouver quelle région géographique il faut survoler avec le drone pour ensuite pouvoir trianguler la personne de manière plus exacte en interceptant ses communications. Donc, on pourra finalement finir par localiser une personne avec une précision de quelques mètres et ensuite éventuellement lui apporter la mort. Donc, c'est des méthodes. Assez ancienne. Donc moi je me souviens même plus quand il y avait eu la première présentation sur des méthodes de localisation. Donc en tout cas c'est vraiment un thème très ancien déjà, la localisation de personnes. Eine Linkliste schicken können mit den Vorträgen zum Kongress.
On aurait pu déjà envoyer une liste de présentations, de liens vers les présentations aux représentants politiques. Et, donc, pour qui ne le sait pas, et en lien avec ces histoires de géolocalisation et de collaboration entre le ministère de l'Intérieur allemand et la NSA. Donc, l'agence de renseignement a donné l'excuse que ces données n'étaient pas vraiment utilisées au jour le jour, mais que c'était juste pour la sécurité nationale. Et donc, il y a eu aussi une confirmation, par contre, que la géolocalisation marchait bien. De la part du Parlement. Donc, ils nous ont assuré que jamais les numéros ne serviraient à une géolocalisation. C'est triste qu'on doive encore faire des communiqués pour éviter qu'on ait ce genre d'affirmation qu'on ne peut pas vérifier. On peut aussi regarder combien de réactions il y a eu à notre appel contre les drones militaires. Et donc il y a aussi des choses qui ont été dévoilées par les révélations Snowden, notamment par le journal The Intercept, avec ces histoires de playbook, par exemple. Et donc il y a eu la ministre de la justice, de la défense, Ursula von der Leyen, qui a répondu à la question qui choisit les cibles finalement chez nous. Elle a dû confesser qu'en fait elle en savait rien. Eigentlich wäre sie nämlich nach dem Völkerrecht verpflichtet, völkerrechtswidrige Angriffskriege auf ihrem eigenen Territorium, und das ist ja nun mal Rammstein, zu unterbinden. Das wäre ihre verdammte Pflicht. Donc, théoriquement, elle devrait annoncer et communiquer sur les attaques en fait, finalement, qui se produisent sur sa propre région. Mais voilà, en fait, ce serait une obligation pour elle, selon la Cour de justice populaire. Donc celui-là, vous devriez le reconnaître. Moi, je reconnais ce sourire entre mille. Also es begab sich, dass 100.000 Telekom-Router ausfielen, weil sie. Il y a eu une panne de dizaines de milliers de routeurs qui sont tombés en panne parce qu'ils ont reçu certains paquets IP. On n'aurait jamais pensé qu'un botnet IoT puisse devenir un jour aussi puissant et puisse faire tomber une partie significative d'Internet. Pendant un moment, on vous laisse préparer à survivre à une catastrophe nucléaire, mais maintenant, on se rend compte que l'attaque pourrait être faite par des grippins. J'ai dit que les télécoms avaient de la chance dans la malchance dans la chance. Parce que, en fait, ils voulaient utiliser pas mal d'autres techniques. Mais en fait, donc les bots utilisaient d'autres paquets. Et donc toutes les 3 minutes, il y avait des paquets d'un peu partout. Alors les Russes, soi-disant, ne l'ont que orchestré et laissé les autres pays attaquer. Il y a eu ces botnets IoT qui ont visé les routeurs des services de télécom. Et donc on ne savait pas trop comment est-ce qu'ils sont parvenus à joindre ces routeurs directement. Et donc ça aurait pu donner lieu à un blackout encore plus long. Donc c'est remonté jusqu'à la politique et on s'est demandé mais il faudrait pas qu'on fasse quelque chose finalement. Donc on a contacté le ministère de l'économie.
Also wir haben sehr viele Internetministerien. Ja, also Verkehr und Rüstung und Wirtschaft. So et d'autres Ministères qui ont un grand rapport à Internet, comme les transports et tout ça. Was kann man jetzt eigentlich tun? Et on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut. Ils nous ont demandé aussi qu'est-ce qu'on peut faire contre les botnets. Les discussions étaient assez intéressantes. Donc on était à peu près d'accord que ça peut pas continuer comme ça. Mais comment, enfin la question était à quel point on devait s'en prendre à l'industrie avec des règles de responsabilité, ce genre de choses. Donc on avait à nouveau une demande minimale que sur chaque périphérique il y a un logo pour dire qu'il se connecte à Internet. Et il faudrait un engagement aussi de la part des fabricants de fournir des mises à jour de sécurité avec une certaine durée. Et aussi des règles sur la responsabilité finalement des fabricants. Des fois le diable se retrouve dans le métal. On va suivre de près ces discussions, parce qu'il y a aussi bientôt les élections nationales. Et puis on espère que l'année prochaine sera une année très cyber-centrée. Pourquoi l'IoT était une mauvaise idée? Donc ça fait il y a 20-30 ans qu'on essaye finalement de sécuriser nos ordinateurs. Puis par exemple, la durée de vie d'un Windows XP qui était à peu près 15 ans. Donc pendant 15 ans, ce truc, tous les trucs qu'on cassait dans Windows XP ont été patchés dans un délai de 2 semaines à chaque fois. Et en fait, fabriquer un objet connecté à Internet, c'était sûr que tôt ou tard, il y aurait un problème parce qu'on aurait trouvé des failles de sécurité là-dedans. Et enfin, on ne peut pas supposer qu'il n'y en ait jamais. Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment mettre à jour ces choses-là? Est-ce que les fabricants prennent ça vraiment au sérieux? Et s'ils le font pas, est-ce qu'on peut mettre notre propre logiciel dessus? Évidemment, la plupart du temps, on peut pas. Puis aussi, c'est beaucoup plus dur de surveiller finalement ces IoT parce que généralement il n'y a pas vraiment d'indication d'état, donc il nous dit pas, enfin notre machine de café nous dit pas qu'elle est justement aussi en train de mener une attaque contre le Canada. Et puis aussi, souvent ces objets sont vendus extrêmement bon marché. Donc, parce que maintenant, on essaie de vous revendre tous vos objets parce que maintenant, ces objets sont connectés. Donc maintenant, il faut racheter votre toaster parce que votre toaster peut maintenant être connecté à Internet. Donc, il y a bientôt aussi le cybersex qui va venir. Et d'où devrait en fait venir de la compétence de construire tous ces trucs? Donc, il y a tous ces trucs, enfin tous ces objets qui se retrouvent jetés sur le marché, mais aucun contrôle de qualité qui est fait derrière. Donc évidemment, on voit un grand risque qui pointe le bout du nez parce qu'il n'y a pas d'autorité de supervision pour tous ces nouveaux objets qui arrivent. Donc là, par exemple, il y a BMW qui s'est déjà posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de finalement un label qui dit que ces produits sortent d'une bonne production allemande? Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si maintenant il y a un autre toaster qui fait des attaques, bah en fait c'est pas vraiment une perte d'usabilité pour nous parce que on peut quand même encore faire nos toasts même si nos toasters en fait on entend des petits DDoS contre d'autres. Donc nous en tant qu'utilisateur final, on n'est même pas tellement touché finalement par la non sécurité de nos toasters. Et puis finalement, on s'en fiche un peu, nous, en Allemagne, que l'Internet ne fonctionne pas pendant quelques minutes aux États-Unis. Et donc, même si on colle des étoiles sur les produits pour comme signe de qualité, rien n'empêche d'acheter des produits en Chine qui coûtent moins cher et pour lesquels on a potentiellement des failles de sécurité.
so ist halt so eine, auch so eine Diskussion, die... Donc, ça, c'est une discussion pour laquelle on a passé pas mal de temps. Et donc, il y a pas mal de points de vue contradictoires. Donc, il y a peut-être maintenant encore des périphériques sous licence sur Internet. Il y a encore des développements avec de nouvelles idées. On essaie de faire des tests. Et donc la question c'est comment est-ce que ça va continuer, comment est-ce qu'on peut gérer les coûts aussi liés à ces périphériques connectés qui servent plus à rien, qui sont cassés Wenn da draußen eine Million kaputte Toaster sind, s'il y a dehors un million de toasters cassés et que chacun y amène encore sa part, ça devient complètement ingérable. Peut-être qu'on peut parler de ce que le reverse engineering a amené au public en vous apportant un peu plus d'informations que ce qui est disponible par les voies plus classiques. Ce que die Hardware nämlich geschnappt hat, während viele andere, inklusive mir übrigens, anhand des Exploit Codes spekuliert haben, das heißt, J'ai d'abord commencé à spéculer par le biais d'un code d'exploit. Telekom Router gar nicht gefallen hat, hat Ralf, bevor er überhaupt irgendwie mal angefangen hat, sich so ein Gerät geholt und konnte dann da. Donc avant que j'arrive à trouver le paquet qui a été envoyé au routeur pour le faire tomber, en fait, qu'il a peut-être jamais reçu, il y a quelqu'un qui est revenu avec un de ses routeurs et qui a pu tester de manière plus extensive comment cette attaque a pu être menée. Donc, qu'on peut encore donner dire quelques phrases sur Netgear et sur BSI. BSI a aucune information sur les 900 000 personnes concernées. Est-ce que ça a changé au niveau des appareils Netgear? Est-ce qu'on a vraiment un message de attention sur le site, sur les appareils concernés et là c'est un niveau de risque des entreprises. Donc, on voit qu'on a bientôt plus de temps. Donc je voudrais rajouter encore une phrase pour l'article qui est présenté là. Donc c'est un journal d'Augsbourg et on l'a montré juste parce que il y a eu le CCC Munich qui a participé. Et donc pour expliquer ce qui s'est passé dans ce problème de télécom et qui a expliqué un peu les grands principes qu'il y a derrière, les messages que les attaquants ont transmis. Et comment est-ce qu'on peut aussi se protéger de ce genre de choses? Nicht nur wir die Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern auch dezentral stattfindet. Übrigens CCC München auch Ray mit Lockpicking in die IoT. Il y a eu aussi Ray avec la présentation sur Lockpicking in the IoT, crocheter des cadenas sur l'IoT. Et là il y a à nouveau un titre qui dit que les hackers sont à nouveau des terroristes. Il y a eu une très bonne nouvelle en décembre. Donc ici on voit le bâtiment du tribunal européen à Luxembourg, qui est plus lumineux que ce qu'on pourrait s'imaginer, et qui a donné une résolution sur la sauvegarde des données et que qu'on ne peut pas garder sans limitation de durée les métadonnées et qu'on
wonach die Vorratsdatenspeicherung ja grundrechtswidrig ist und sozusagen eine Donc oui, c'était la première fois qu'on a vraiment un quelque chose qui nous dit que conserver les données récolter les données et conserver les données de manière de masse va se produire de manière plus régulière. Après ce qui s'est produit en Grande-Bretagne. Donc, eux, ils ont vraiment une forme très extrême de l'enregistrement des données et de la conservation des données sur le long terme. Pendant, donc, il y a une bataille contre ce stockage, cette préservation de données de 12 ans sans même aucune présomption, enfin, sans avoir besoin de motifs justificatifs. Heiko Maas dazu aufzufordern, das Urteil zu lesen und insbesondere Änderungen pousser notre ministre de la Justice modifier un peu cette base légale. C'est vraiment quelque chose qu'on aurait aussi poussé pendant la campagne électorale. On aurait profité aussi de l'occasion pour mentionner le GFF. Donc l'association pour les droits de la liberté. Ja, an das Thema gemacht hat, sogenannte Strategic Litigation zu machen, also aus rechtsstrategischen Gründen, Verfassungsbeschwerden oder Beschwerden an den une association qui Gerichtshof für Menschenrechte de, zu machen. De lever des plaintes pour des raisons constitutionnelles. On trouve que pour certaines plaintes constitutionnelles, on soutient cette association parce que, si on croit que la plainte pourra apporter certains bénéfices sur la longue durée. On va quand même essayer de faire en sorte que ces décisions puissent aller influencer aussi la suite des décisions politiques. Donc pour nous, c'est une sorte de... On trouve que c'est intéressant, cette espèce l'idée d'aller faire des plaintes constitutionnelles stratégiques pour aussi travailler, faire un travail de longue haleine pour faire évoluer les choses dans le sens qu'on a envie qu'elles évoluent. Donc bon courage. Donc là, on doit gentiment arriver à la fin de cette conférence. Et qu'est-ce que pourrait être la fin si ce n'est que le débat sur les fake news? Donc les fake news nous ont poursuivis pendant ces dernières semaines et derniers mois. Donc ça a commencé déjà un peu plus tôt. Donc il y a eu une étude de certains chercheurs sociaux qui ont trouvé des social bots. Donc il y a par exemple du spamming de certains hashtags. Donc par exemple là, le hashtag du 33C3 a déjà été la cible de certains bots sociaux. Et puis, il semblerait qu'il y ait aussi eu certains de ces bots qui ont été utilisés pour la campagne électorale américaine, qui auraient utilisé donc certains hashtags de la campagne électorale pour aller perturber les communications. C'est donc un phénomène très peu désirable parce que ça remet en question complètement notre perception des réseaux sociaux, parce que si maintenant on voit qu'un tweet de Donald Trump a X mille likes, à la base, on aurait tendance à se dire que c'est un avis vraiment très populaire, mais peut-être qu'en réalité, il y a des millions de bots qui ont fait liker aussi ce post. Donc, il y aura une déformation, finalement, de la réalité. Donc, là, maintenant, il y a eu justement des rumeurs comme quoi ces bots sociaux auraient manipulé les élections. Donc, tout d'abord, avant de parler de manipulation, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu plus près au terme de manipulation. Est-ce que maintenant on peut vraiment parler qu'on arrive au point qu'il y a des gens qui vont se dire genre merde, j'ai voté pour Donald Trump alors qu'en réalité je voulais voter pour Clinton? Donc c'est
pas non plus exactement, enfin, ça reflète pas non plus exactement la réalité. Il faut vraiment se pencher sur la question, c'est un problème critique et même si des fois l'influence des élections peut être positive en général, ça reste un problème. Donc, à côté des bots, qui a été aussi inventé cette année, ben, en l'an de 2016, on a inventé le mensonge. Donc, avant ça, l'humanité ne connaissait absolument pas le mensonge. L'humanité ne connaissait absolument pas le mensonge. Donc, un mensonge, c'est donc dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et puis, semblerait que ce mensonge sert à influencer des campagnes électorales. Il semblerait que peut-être que le mensonge a déjà existé avant 2016 à travers certaines informations qu'on transpiré. On a quand même aussi des chaînes radio, des chaînes TV, on a aussi des politiciens. Et puis avec toutes les publications politiques et tous les débats politiques, bah peut-être que ça influence aussi finalement le résultat d'une campagne. Et qu'on n'est pas non plus sûr que ceci ne monte jamais. Donc c'est pas forcément le fake news qui va être le grand machin qui va apporter de la manipulation de campagne électorale. Donc, aussi peu désirable qu'est ce phénomène des fake news, je pense qu'on doit quand même un peu remettre en question le rôle des réseaux sociaux, parce que c'est de loin pas les seuls qui vont diffuser des mensonges pour essayer de manipuler une opinion publique. Donc, les fake news, en fait, vont récolter les vérités qu'on a envie d'entendre, puis nous les livrer... nous livrer exactement ce qu'on a envie d'entendre. Donc, ce qu'on a vu maintenant pour la première fois vraiment dans la campagne de Trump, c'est l'utilisation de cette finalement vérité ciblée a été pour la première fois vraiment utilisée pour délivrer des messages et essayer d'influencer l'opinion des électeurs. Donc, la différenciation finalement dans cette espèce de publicité ciblée pour les politiciens qui était parsemée de fake news a réussi à toucher finalement une base très, très fertile de gens, d'électeurs qui ont effectivement vraiment été touchés et intéressés par ces nouvelles RNA. Je pense que la seule réponse qu'on peut apporter qui est concrète, c'est qu'on vit dans des temps qui sont difficiles et on doit essayer de comprendre ces temps difficiles. Et beaucoup de gens cherchent des réponses, mais il faut qu'on essaye de travailler sur la compréhension de ces temps compliqués. Et peut-être que ces moments compliqués ont des réponses compliquées à apporter. Pour moi, ce que je pense, c'est que dans ce débat, il faut qu'on essaye de comprendre les techniques utilisées pour la manipulation et savoir comment elles sont utilisées. Mais pas non plus attribuer trop d'efficacité à ces techniques, parce que finalement, leurs moyens d'action sont assez faibles. Et puis, par exemple, dans les années 60, il y avait déjà de la publicité dans les cinémas où c'est qu'on a changé, donc on a fait des images subliminales, et ils pensaient que les gens achetaient grâce à ça plus de coca. Donc, effectivement, il y a eu ces images subliminales, mais on n'a jamais vraiment réussi à étudier l'impact réel de ces images, même si on a cru un moment. Donc là, on est un peu dans la même situation. On pense qu'il y a effectivement un grand impact auprès des gens, mais il n'y a pas encore eu de réelles études pour étudier l'impact effectif de ces... Est-ce que nous, on doit faire, c'est exposer ces processus. Il faut qu'on les comprenne, qu'on les expose et qu'on les décrive pour que le public soit informé. Donc, il nous reste plus que deux choses. Donc, une, c'est qu'on aimerait vous remercier. Partiell oder zu bestimmten Themen bei uns beteiligen.
Wir wollen uns sehr bedanken für remercier les gens qui nous supportent, donc le support public du club. Sozusagen so arbeiten, wie wir versuchen zu arbeiten. Et sans vous, on ne pourrait pas travailler comme on essaye de travailler. Et puis, quelque chose qui m'a rendu particulièrement heureuse, c'est qu'on arrive quand même à gagner certaines batailles qu'on a envie de gagner. Et aussi qu'on arrive à amener au monde tout le savoir qu'on a à l'intérieur de cette communauté. Puis, je dois aussi encore attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sûr où sera le prochain congrès. Donc, si maintenant vous voulez déjà réserver votre hôtel, attendez un petit peu, s'il vous plaît. Parce que on sait que ça pourrait être à Hambourg encore, mais plusieurs endroits sont en cours d'études et il n'y a pas encore eu de décision finale. Mais évidemment, la décision sera prise le plus tôt possible. Donc on aura quand même assez de temps de préparation. Donc c'est pas qu'en novembre, on va spontanément décider pour un endroit. Donc évidemment, la décision sera prise plusieurs mois en avance. Voilà. On dit merci pour l'attention. Merci à tous. Merci à vous tous. Le bureau qui aimerait une clarification que les changements d'adresse soient quand même bien. Donc, l'office sait que finalement, il y a moins de travail pour un.